qui ne voulait pas que je m'en aille, mais j'ai dû m'en aller. J'ai pas appris à dire au revoir, j'ai dû improviser. Si vous êtes d'accord, les locaux, pourquoi qui peut vous stopper en haut? C'est-à-dire, il faut pas que l'eau soit plus fort et a écrasé Bino, alors que Bino vous a communauté mobile. Les communautés riveraines se constituent des personnes qui vivent les long des fleuves, des rivières et aussi même des océans. Si aujourd'hui nous avons décidé de leur venir en aide, c'est parce que nous avons remarqué que c'est un peu des communautés négligées. Il suffit de naviguer le long du fleuve pour remarquer combien ces communautés souffrent, combien cette population, ces personnes vivent sans électricité. Les enfants n'ont pas accès à l'éducation comme il faut. Il y a carrément un manque d'école, il y a un manque d'infrastructures scolaires. Et aussi, et surtout, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Ça veut dire que, comme je le dis, ils se servent ou ils boivent l'eau du fleuve comme ça, sans traiter l'eau. Notre mission sera maintenant d'essayer de voir comment trouver des solutions à leurs problèmes. Si aujourd'hui nous venons vers vous, c'est pour vous associer à ce grand programme, un programme qui va nous amener à les aider. Nous attendrons de vous une certaine contribution, des idées et évidemment des moyens surtout pour aider tous ces gens à avoir une vie paisible, une vie acceptable, comme nous tous. Je vous remercie.